Dans cette vidéo, découvre pour quelles raisons le modèle de revenus récurrent peut changer radicalement les résultats, notamment les résultats financiers, que tu peux avoir dans ton activité. Et forcément, qui dit impact financier, dit impact sur ta propre vie et celle de ceux que tu aimes. Bonjour, je m'appelle David Vals Imachinant, fondateur de l'académie businessbonheur.com, auteur des livres « Mets du bonheur dans ton business », publié pour impacter ou encore « Les génies du focus ». Et dans cette série de vidéos, eh bien, je te dévoile en avant-première les différentes réflexions et schémas que je réalise pour mon nouveau livre qui a pour objectif de t'accompagner dans la création d'un business épanouissant à l'aide des revenus récurrents. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te partager l'importance de revenus récurrents et l'impact que ça peut avoir dans ton business. Et comme tu peux le voir ici, imaginons que nous avons une année avec le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bref, comme ça, je les aurais tous faits. Euh, ici, nous avons donc toute l'année qui se déroule. Imaginons l'hypothèse numéro une. Hypothèse numéro une. Je vais créer plusieurs offres, plusieurs opportunités d'aider des personnes euh, avec euh, les offres que j'ai à proposer. Et au fur et à mesure des mois, donc par exemple, j'organise un événement au mois de janvier, je fais un lancement de produit au mois euh, de mai, etc. etc. Euh, J'attire des clients qui vont acheter le produit en janvier, donc j'en ai trois qui achètent en janvier, j'en ai euh, par exemple plusieurs, 3, 4 qui achètent euh, ici au mois de mai, etc. etc. Au total, tu peux voir, j'ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clients. Donc 9, 10 ici. Imaginons que chaque client rapporte 1 euro. Au total, on a 10 euros. Alors j'ai choisi volontairement le chiffre 1 parce que l'objectif c'est de montrer symboliquement comment ça fonctionne. Évidemment, on peut faire des calculs plus complexes, mais ça n'a aucun intérêt ici. Donc imaginons en une année, j'ai généré 10 fois des euros. 10 euros. Ok Ça, c'est dans le cas où quelqu'un achète une fois un produit, et en plus, tu l'énergie, il faut... Chaque fois, lancer des choses, faire de la promotion. Il faut faire de la publicité, que ce soit de la publicité avec du référencement naturel, les réseaux sociaux, le référencement payant, la publicité payante, etc. Bref, t'imagines tout ce qu'il faut faire pour 10 fois des euros. Deuxième possibilité, deuxième hypothèse. Partons du principe que nous avons un produit que nous donc, que nous vendons tout au long de l'année. Une offre que nous vendons tout au long de l'année. Et qu'au mois de janvier, j'ai une personne qui décide d'investir dans ce que j'ai à proposer. Et en sachant que cette personne n'achète pas une fois, elle souscrit à une offre qu'on peut appeler à abonnement, à paiement récurrent. Bref, on peut lui donner plein, plein de noms différents le concept reste le même. Et donc imaginons que cette personne, elle signe également pour 1 euro, mais 1 euro par mois. Au bout du mois, euh, au bout de l'année plutôt, on a 12 fois les euros. Imaginons, on continue, on prend bien soin de cette personne pour qu'elle reste, hein, parce que si elle reste jusqu'au bout de l'année, ça veut dire qu'on lui apporte de la valeur, bien sûr, sinon elle partirait. Et donc imaginons, on apporte de la valeur, et pendant ce temps-là, on continue à, entre guillemets, attirer des clients de cœur. Si tu ne sais pas c'est quoi un client de cœur, je t'invite à regarder la vidéo d'hier, euh, le jour 2, dans laquelle je partage justement, et eh bien, cette notion-là. Et donc, imaginons que au mois euh, de... Donc, janvier, février, mars, avril, au mois d'avril, il y a une personne qui décide également de rejoindre ce que l'on a à proposer. Et elle, du coup, bah, elle reste 8 mois, si elle reste jusqu'au bout de l'année. Pareil, deux mois plus tard, une autre personne décide de s'inscrire pour 1 euro par mois, et donc elle reste 6 mois. Si on fait le calcul, 12 plus 8 plus 6, ça fait 26 euros. Ça veut dire qu'avec 3 clients, je génère 2,6 fois plus qu'avec 10 clients. C'est juste pour te montrer la puissance du revenu récurrent. Et qui dit revenu récurrent dit offre que l'on va proposer avec un, un abonnement ou en tout cas un paiement qui va se répéter dans le temps. Encore une fois, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, moi je suis pour la création de valeur et quelqu'un qui reste pendant une année, il est évident que c'est parce qu'on lui apporte quelque chose, on lui apporte des choses utiles. Et si tu te demandes comment est-ce que toi par rapport à ton métier, tu pourrais créer une offre comme celle-ci, eh bien sois rassuré, dans les prochaines vidéos, je te parlerai de ça et c'est tout l'objectif du bouquin que je suis occupé à écrire. J'espère que ça t'a plu. Indique en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi ce que ça a pu t'apporter. Dis-moi les réflexions qui te passent par la tête. Est-ce que tu as déjà essayé un revenu, euh, enfin, de générer un revenu récurrent par le passé Si oui, comment est-ce que tu t'y es pris Bref, partage tout cela en commentaire. Moi, je me réjouis de te retrouver demain pour la prochaine vidéo. Euh, L'idée, c'est vraiment de, une fois par jour, te montrer un dessin, évidemment hors euh, jour de congé, euh, pour pouvoir justement, eh bien... Avancer dans l'écriture du livre, puisque chaque dessin est en fait une théorie et, un, et des exercices que je vais ajouter dans le bouquin. Moi, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, je te montrerai le plan final avec tous les schémas l'un à côté de l'autre quand ce sera terminé. Mais là, pour l'instant, je dévoile jour après jour un dessin, un schéma, une théorie ou un exercice. Prends soin de toi premier mieux prendre soin des autres. Rappelle-toi que sans action, pas de résultat. À très vite! Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.